vais lui sauter dessus. Je vais lui sauter dessus. Bonfire. Salut tout le monde, c'est Aikilou et on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Far Cry 3 et on est parti voir Buck, pour aller voir Buck plutôt. Il y a des coffres ici, je me trouve dans un campement Rakiat, enfin dans un campement qu'on avait déjà capturé. J'ai fait le plein de munitions comme d'habitude et je suis prêt à enchaîner. Ah, le coffre il était là. J'entends des cochons. Peggy, où te caches-tu? Qu'est-ce que me propose cette quête d'ailleurs? J'aurais besoin d'un animal unique, donc si je peux y aller. C'est quoi comme animal? Exterminer les chiens enragés avec une... Ok, ça c'est juste des chiens enragés à la con, j'en ai pas besoin. Je vais plutôt prendre la Jeep et on va se diriger vers Buck. Vers Monsieur Buck, pardon, parce que bon, apparemment il veut qu'on l'appelle Monsieur. Où est-ce qu'il se trouve? Ok, c'est pas loin. Ah, on y a déjà été à cette zone en plus, si vous vous rappelez, c'est là où il y avait plein de cerfs. Hop, il n'y a plus qu'à sortir le Wange et c'est bon. Non. Ah. Je suis à 200 mètres. Je vais pas rentrer dans les bambous quand même. C'est bon, on est arrivé à destination. Let's go. J'espère que c'est pas encore un temple qui nous reste. Bon, ça m'étonnerait pas vu que maintenant... Je pense qu'on a toutes les parties de le... Je pense qu'on a toutes les parties de la boussole. Je ne sais pas. Mais Buck, il commence à me saouler vivement qu'on le descende. Parce que je sais qu'on va le descendre un de ces jours. C'est sûr et certain. Il est juste au bout là-bas. Il m'attend. Il m'attend tout le temps en plus. Chaque fois à l'endroit où je dois aller. Chaque fois à l'endroit où je sors. D'où je sors plutôt. Buck. Sol indique le bas de la pente. Quoi? Tu dis pas bonjour. Oh, c'est dommage. Nouvelle leçon. La tombe du capitaine Kang. Selon la légende, il se serait pris pour un pharaon. Il aurait forcé les natifs à construire ça avant que Zhang Yi ne débarque pour ruiner son empire. Personne ne savait où elle se trouvait. Mais... moi, je dirais que... Bon voyage, petit. Je peux le faire sans problème. Sans problème. Ok. D'accord. Lin Kong, je présume. Non. Vous savez quoi? On va faire un plongeon épique à partir du rocher là-bas. Si je me rate, je me suicide. IRL. Hein? C'est bon. D'ailleurs, j'ai vidé tout ce que j'avais comme, comme surplus de d'objets, tout simplement. D'objets non nécessaires. Ça se trouve être en bas de la pente. J'avais jamais remarqué, en plus je l'avais remarqué sur la minimap, mais je l'avais jamais remarqué en vrai. Allez, on va plancher, écoutez. Ah, j'ai raté. Ah non, j'ai pas raté. C'est bon, je me suis suicidé hier, je reviens. Je reviens à la vie. Par contre, ils avaient dit en bas de la pente, ils avaient pas dit que c'était... Ok, on va devoir remonter les lianes là-bas. C'était un plongeon digne de... digne de Michael Phelps. L'entrée du temple avec 14 milliards d'ennemis. Comment ils font pour rentrer ici? S'il y a des ennemis, des pirates, faut qu'on m'explique comment ils ont fait pour atteindre l'intérieur de ce temple et s'y abriter et tout. Faut qu'on m'explique là. Parce que vous avez vu comment la porte est fermée et tout. J'espère qu'il y a personne à l'intérieur. Trouver l'entrée. Ça c'est fait. Ouais, j'entends des pirates, merde. Ils ont des chiens en plus. J'entends les chiens. Ils sont où les chiens? Je les entends aboyer. Ok, faut que je passe quelque part là. Faut que je passe par où?
Il y a un coffre juste là. Ok, faut grimper les lianes juste avant. Juste avant de monter les lianes, je vais tous les éliminer en étant caché ici. Je tire des pierres pour les attirer. Non, là apparemment par contre j'attire plus personne. Ça a l'air bon, du coup il a... C'est pas sa patrouille, on va faire le tour et on va essayer de les prendre à revers. C'est par là. Qu'est-ce qu'ils foutent ici ? C'est Buck qui les a rencardés ? C'est Buck qui les a rencardés. Non, sérieusement, j'avoue comment ils ont fait pour entrer ici, quoi. Ils sont probablement rentrés parce qu'il va me servir de sortie. Deux chiens là-bas. Collatéral, non ? J'ai tué les deux chiens. Merde, mastodonte ! Mastodonte ! Tu vas la jouer comme ça ? Mastodonte, hein ? C'est qui le mastodonte ? Un guépier ! Je lui ai mis session. Le mastodonte, il a rien compris à ce qui lui est arrivé. J'ai tué les chiens. Et j'ai entendu une voix, donc il m'en reste encore à tuer. Vous savez ce que j'ai envie de faire là? J'ai envie de prendre la PKM. Je pense qu'il a une PKM, le mastodonte. Ouais, c'est une PKM. PKM, ouais. Ah là là, ils vont prendre cher les ennemis. Ok, amenez-vous. Amenez-vous là. Je vais y aller en mode bourrin. Ah, par contre, il n'y avait pas toutes les balles. Hein, parce que je suppose que. Une PKM, ça doit avoir beaucoup plus de balles que ça, quoi. Pleine tête. Le recul de cette arme, je vous raconte pas. Hein. Elle a plein de balles, mais niveau recul, c'est la galère. Au moins, ça me permettra de vous montrer un gameplay différent et puis de prendre un peu de risque et puis de tout dégommer sur mon passage. Ah, l'enfoiré, pourquoi tu cries comme ça? Tu cries pas comme ça, tu cries plus, tu cries pas comme ça, tu cries pas. Vous criez pas comme ça, c'est pas... C'est vraiment des psychos, les mecs, hein, ils m'ont fait flipper. Allez, je dois recharger un petit coup. Tyrolienne, ok. Prendre la tyrolienne. Montrez-moi vos têtes. Ils sont où? Je les vois sur la... J'arrive pas à les repérer. Ah, ils sont en bas. Un. Deux. Je me fais toucher par en a... Non. Une vraie toile d'araignée, ouais. Grenade. Non. Je l'ai même pas vu. Eh, c'est vrai, j'ai même pas les icônes. Là, j'ai désactivé toutes les icônes. C'est ça que tu joues en guerrier quand on n'a pas d'indicateur. Ça te plaît? Ça te plaît, ça? Ah, c'est... C'est... Merde, là j'ai claqué une seringue pour rien. C'est même pas des grenades, c'est des roquettes. Allez. Il y en a... Ah, je vais lui sauter dessus. Je vais lui sauter dessus. Il y en a d'autres. Comment je vais sauter dessus en mode ninja? Bon, on va pas fouiller tout de suite parce que je sais qu'il y en a... Il y a leurs potes qui vont rappliquer. Et j'ai le peur qui me permet de recharger un peu plus vite, donc c'est cool. Déjà que l'arme est comme ça, elle est lente, j'imagine même pas. Je vais leur sauter dessus avec la tyrolienne. Allez, prends-moi ça. Et toi? À la tienne. À la tienne. Ça, c'est comme ça qu'on fait. Il y a de la thune ici. Ah, j'adore, franchement. Ah, je me suis cramé quand même. Gilet pare-balles. Potion. Munitions. C'est bon, j'ai la totale. Il me manque juste à... Ok, il me reste 4 potions, ça va, sert à rien que j'en fabrique d'autres. Ah, franchement, ça fait plaisir des fois de changer un peu de gameplay comme ça. Ça se trouve être en bas. Ça se trouve être en bas. Pas question de plonger là-dedans. Ok, c'est de l'acide apparemment. Il y a deux ennemis qui viennent là-bas. Ah non, là par contre... Ah ok, ça a touché le... Ça a touché le rebord ici, c'est pour ça. Les impacts de balles sont... Faut faire attention au viseur, quoi.
J'ai tué son pote, mais l'autre... Ah, ok, elle est là. C'est bon. Et ça, c'est de l'acide, hein. Apparemment. Ils ont pas aimé les mecs qui s'y sont, aventurés. Ah oui, ça a pas l'air appétissant, le truc, hein. Comment il est mort, lui? Ils sont partout, ces pirates. Toi, je te loot. Alors, quel est le prochain objectif? Dites-moi. Il y a de l'acide partout. Utilisez l'échafaudage pour atteindre... Ok, traverser l'eau chaude. Merde, ennemi. Ah non, 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 non. Ah, je le savais. Je l'ai évité de justesse. Vu sa posture, c'était pas un bonbon qu'il allait m'envoyer. Pas de roquette, monsieur. Pas de balle, monsieur. C'est bon. Allez, je vais vraiment pas tomber dans l'eau chaude, là. En rush. Franchement, ça change vraiment ce gameplay de temple. De tout ce à quoi on a l'habitude, c'est-à-dire tous ces décors ouverts. Toi dans ta tête. Molotovisor. Il arrête pas de bouger sa tête. Je voulais anticiper un coup de tête, mais j'ai pas pu. Molotov, tu t'arrêtes de bouger. Je vous avouerai pas que j'ai vraiment eu hâte. C'est fou de trouver la dague et de savoir ce qui va se passer avec Buck et avec Citra. Parce que l'un des deux va me buter. Non. Allez, si je peux même pas fouiller les ennemis tranquille. Il y a un ennemi juste en face. Je recharge mon sniper. Je sors le PKM. Il est aveugle ou quoi? Tu peux le faire. Ouais, je peux le faire, t'inquiète. J'ai dû m'y prendre à deux fois, quoi. Sa tête, elle tient pas debout. Ce couteau est à moi. Ce couteau est à moi? Ah oui, le couteau. Ah d'accord, c'est carrément la dernière étape, là. Ce squelette. Sésame, ouvre-toi. J'avoue, Sésame, ouvre-toi. J'ai traversé l'eau chaude. Waouh, c'est un sacré morceau. Regardez-moi ça, je veux dire, c'est juste splendide. La statue ici, on voit un peu de lumière là-haut. Apparemment, il n'y a pas d'ennemis dans les environs. C'est juste magnifique, les décors sont franchement impressionnants. Le pont est mort. Je vais prendre un autre chemin. Le pont est mort, ouais, y a pas de pont apparemment. Attention! Ah, c'est du soufre, d'accord. Ça doit pas être très agréable pour le corps, donc faudra que je fasse gaffe. Aux alentours. Ok, c'est par là. Par où, par là. Non, c'est par là. Regardez-moi ça, c'est le bruit de fou que ça fait en plus. Je me suis fait toucher. J'ai même pas fait gaffe que je perdais de la vie. Par où est-ce que je peux... Ok, il y a des coffres sur le chemin. C'est par là. Monte. Allez, monte, Jason. C'est bon. Jason Brody, Nicolas Brody. Depuis des siècles. Là, on est en sécurité.
Checkpoint atteint. Trouvez l'entrée de la vraie... Ouvrez le sarc... Oh, c'est quoi ces bruits? On arrive au couteau, les gens. Il y a un serpent par là. Il y a un serpent. Ah, un dragon. Les mecs, on est arrivé à destination. On est arrivé, les gens. La dague est à moi. Ce type est un très très gros malade. J'avoue que ce type, il était pas malade à moitié, hein. Juste avant d'y aller, regardez son tombeau. Ça va. Moi, quand je vais me faire enterrer, on va me foutre dans un sac et on va me mettre sous terre. Et le mec ici. Cours, encore. Ah! Ça brûle. Pousse. Non. Allez. Ça va tomber sur ma gueule. C'est bon, c'est pas tombé sur ma gueule. Wouah, ça mourait. Yes. Alléluia. On a la dague, les gens. Alors, on a un écran blanc aussi. Tiens, Buck n'est pas là. Vous êtes pas là? Pas cette fois, mon pote. Tu l'as trouvé? Le couteau, la tombe. Ouais, j'ai le couteau. J'arrive. Rendez-vous chez moi. Ah, ok. Sombre retrouvaille. Ok, la quête, elle s'appelle Sombre retrouvaille. Ah non, mais c'est bon. Rien qu'à au nom de la quête, on s'imagine déjà ce qui va se passer. Ah là là. Je vais voir s'il y a un bateau dans les environs. Où est-ce que je me trouve par rapport à la quête? Il habite plutôt loin, je dirais, donc... Faudrait que je me trouve un bateau. Ça, je l'ai looté. Faudrait que je me trouve un bateau ou une bagnole. Ou alors que je fasse un voyage rapide. Non, y a rien dans les environs. Ça va juste être de la course à pied. 100 mètres et on arrive à destination. D'ailleurs, on m'avait dit que je pouvais faire monter mes potes avec moi. C'est pas le moment d'essayer, mais c'est bon à savoir. Le buggy va plutôt vite, franchement, c'est tip-top comme véhicule. Avant d'aller voir Buck, je vais couper quelques plantes vertes pour me faire du thé. Il me reste plus aucun remède. Si j'arrive à trouver 4 plantes vertes, ce sera parfait pour faire 8 potions, 8 remèdes. Parce qu'apparemment, c'est de sombres retrouvailles qui nous attendent. Ah, nous voilà chez Buck. Allez à la cabane, ça sent le guet-apens. Tu l'as trouvé. Allez, donne-le-moi. D'abord Kiss. D'accord. Derrière la porte. Faut leur rendre ça aux Chinois, hein. Quand ils éventraient quelqu'un, ils le faisaient avec style. T'imagines te faire trouer par ça? C'est comme être poignardé par la plume de Shakespeare. Oh, Kiss. Pitié, arrêtez, je vous en supplie. J'en peux plus, pitié. Jason, il faut que tu me sortes d'ici. Je t'en supplie. Il faut vraiment que tu me sortes d'ici. Je vais te sortir de là, ok? C'est vrai, tu promets. Il faut que tu me le promettes. Ouais, écoute, à propos, petit, je te suis reconnaissant. Et je voudrais te démontrer toute ma gratitude, tu vois. Mais bien, comme un homme, vrai. Vous avez dit qu'on pourrait partir, enculé! Non. En fait, j'ai dit que Kiss pourrait partir avec toi, mais toi, tu vas nulle part. Kiss est mort, oh non! Ici. Tu feras ce que je te dirai. Hein? Je te boufferai saignant si tu veux comme un bon tourne-dos. Non. Oh le fight. Assez débile hein, comme préliminaire. Allez. Non. Ah.
chaise. T'es sûr qu'il est mort? Tout va bien se passer. Viens avec moi. Je connais un endroit où tu risqueras rien. Citra, faut qu'on aille voir Citra avec la dague. Ah, c'était fort en surprise. Je m'y attendais de toute façon avec Buck. Ça s'annonçait pas bon. Il voulait juste nous revendre à Vass. I like the walrus best, said Alice, because you see. Parce que lui au moins. Daisy, Lisa et Oliver sont là. Tu crains plus rien. Jason, tu leur parles pas de ça, d'accord? Promis. Le monde est dans la merde. J'ai toujours cru que j'étais fort. Mais j'avais tort. Allez, tu t'en remettras. Tu verras. On va tous y rester. Je récupère Riley. Et on sera bientôt rentrés à Santa Monica. Riley est mort. Désolé. Il a essayé de s'enfuir et ils l'ont descendu. Il reste plus personne. Il reste plus personne à sauver. Hey. Riley. Merde, t'en as bavé, on dirait. C'est une longue histoire. Aidons-la à se nettoyer. Ils l'ont tué. Vass et Hoyt, ces deux fils de chienne. Un frère, c'était pas assez. Je les aurais. Je les tuerai tous. Je le jure. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Jason, qu'est-ce qu'il y a? Riley est mort. Oh non, pas Riley. Reste ici, je vais t'aider. Je vais m'occuper de toi. Arrête de rapporter tout ça à nous. Attends, mais de quoi est-ce que tu parles? Mon frère est mort. J'ai besoin de temps. Seul, ok? Ok. Je suis là si t'as besoin de moi. Sortez de la caverne, mais juste avant, on va aller prendre un petit coup de champignon à la boîte. On va aller voir ce qui se passe. Ah, franchement, ça commence à devenir vraiment stressant, là. Je les aurai. Hoyt et Vass, ils vont mourir. Ok. Oh, t'as vu les lumières? Ça, c'est de la danse. Wouhou! I love little girls. Ah, c'est lui. C'est lui. Ah, coup dans les côtes. Jason, par derrière. Par ici. J'appuie sur le bouton pour toi. Allez, ouvrez la porte. Jason, monte, allez, monte. Ferme bien. T'étais obligé de le frapper aussi fort? Bien sûr que j'étais obligé. Waouh! Eh ben, qui ça me donne faim, moi? Plus qu'un tatouage à la cheville et ce voyage sera parfait. Ça dirait un tatouage Yontra? Ouais. Je connais un gars dans le coin de la station Siam BTS. Eh oh, écoutez, je vous présente Doug. Il est DJ et surtout, c'est un gars super sympa. Salut, Doug. Salut, Doug. Selon Jason, vous faites le tour de l'Asie? Ouais, Bangkok, c'est notre dernière étape. Vous avez raison, faut finir en beauté. Ouais, carrément. C'est vrai. Sinon, vous avez prévu d'autres trucs? On aime bien se laisser porter par le courant. Vous avez de l'argent, au moins. Ouais, ça vous dirait de louer un bateau? Lui, il en a. Je connais une île sympa où on peut faire ce qu'on veut. Waouh. Mais t'as pas un truc un peu plus extrême à nous proposer? La chute libre. Merde.
Genre, on prend un avion et on saute au-dessus de l'île. Ça me branche à mort. Sauter en aveugle, c'est risqué. Oh, allez. Sans déconner, c'est chaud. 3 jours. Y'a qu'à faire ça demain. Allez, quoi, allez. Mais ouais, fais pas ta poule mouillée. Tout s'arrange, on va pas manquer ça. Bon, c'est bon. Alors, elle est où cette île? Elle est où cette île? Ah là là, quelle est belle la vie. Tiens, j'ai un plan de malade pour toi. Viens, on va sauter chez Vas. Ça sent la vengeance, là. On va aller voir Citra. Où est-ce que je vais me réveiller encore une fois? Au milieu de nulle part. Je confirme. Au milieu de nulle part. Je me demande où est-ce qu'elle en est, l'autre, la blonde, avec le bateau. Je vais aller la voir si jamais elle a avancé ou pas. Je vais tous les voir, prendre de leurs nouvelles. Même si Jason, ça l'emballait pas trop. Ok, je me suis pas réveillé trop loin. Sortez de la caverne. Juste avant, on va aller voir la blonde. En plus, elle doit même pas être en train de bosser, j'en suis sûr. 2500 XP, c'est énorme, j'ai gagné un point de talent. Elle est pas sur le bateau. Ok, où est-ce qu'elle sent? Où est-ce qu'ils sont plutôt? Ah, ils sont là. Je peux pas prendre de leurs nouvelles. Elle, tu peux pas prendre ses nouvelles. Salut, bonsoir. Ok, on va pas prendre de ses nouvelles. Ah là là. On va aller rendre visite à Citra, voir le temple des Rakyat, ce qu'ils ont pour nous, et surtout lui donner la dague. Et après ça, je pense que je serai un vrai guerrier, digne d'elle, digne de la pécho, de rejoindre ses rangs, apporter le couteau à Citra. C'est ce que je pensais. On va prendre le deltaplane et on va s'y rendre. D'ailleurs, deltaplane qu'on connaît bien maintenant, le nombre de fois que je l'ai emprunté. On est à 2500 mètres, c'est quand même assez loin, mais c'est pas grave. Sauf que là, on n'est pas dans l'éditeur, donc il n'y aura pas d'explosion, il n'y aura pas de truc spectaculaire. Il y aura juste une chute libre et une remontée pour prendre de la vitesse. Citroën, j'arrive. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'avait pas croisée, elle, ça doit faire 3-4 épisodes que je l'ai pas vue. Tu es digne de me pécho. Ah, je suis ton frère maintenant, hein. Sois le bienvenu, Jason. J'avais presque oublié ton visage. C'est bon de te revoir. Le couteau, où est-ce que tu en es? Je l'ai trouvé. Tu nous rapportes l'objet qui nous revient de droit. C'est pas gratuit. Ken, Ken, Ken. Cette lame a fait couler le sang de nos ancêtres. Elle nous revient aujourd'hui. L'honneur de nos morts est vengé. Viens avec moi. Ah. Laissez-nous. Ah. Ok, là ça devient intéressant. Dis-moi ce que tu désires. Sauver mes amis. Non, 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 pas ça. Tu es sûr? Pas ça. Ken, Ken. Je veux tuer Vas et Hoyt. Non. Non. Jason, fais pas le con, putain. Il y avait, il y a très longtemps, un étang au lotus qui était rempli d'eau claire. La rive était faite de sable fin. Et le parfum de 1000 fleurs embaumait l'air. Mais sous la surface de l'étang habitait un géant qui dévorait quiconque s'en approchait. Un guerrier qui venait des terres du Nord eut vent de ce géant et jura de le tuer. Il para son corps de tatouage et prit le pouvoir du royaume des morts. Et quand il fut prêt, il prit le chemin de l'étang au lotus. Le géant surgit des eaux tranquilles. Le guerrier brandit sa dague et lui trancha la tête d'un geste net et précis. Le crâne du géant tomba dans l'étang et devint notre île. Les descendants du guerrier devinrent les Rakyat, notre peuple. Aujourd'hui est apparu un autre géant. Prouve-nous que tu es digne du tatouage. Libère nos guerriers de l'esclavage, alors je te donnerai le pouvoir que tu cherches.
Je vais le faire. Dans ce cas, sache que nous nous reverrons. Guerrier. Ça, c'est fait. Bouge. Bouge. Ah, c'est par là. Ah, c'est riche en rebondissements, tout ça. C'est riche en rebondissements. Je dois aller tuer un géant, d'accord. Ça va, c'est Ulysse. Jason, nous allons attaquer un convoi transportant des guerriers prisonniers de face. Quel est le plan ? Une embuscade. Va rejoindre les hommes que tu accompagneras. Ils sont à Churchtown. Ça leur fera plaisir de t'aider. Intéressant tout ça. On va aller tendre une embuscade à Vass. Bien sûr, la porte se referme automatiquement. Système infrarouge. Allez parler au chef d'Erakat pour intercepter Vass. Ce sera au prochain épisode, les amis. J'espère que vous aurez apprécié cette petite sortie. Franchement, je sais plus où j'en suis tellement ça s'enchaîne, tellement les quêtes sont aussi intéressantes les unes que les autres. J'espère que vous appréciez cette petite aventure suivie en ma compagnie. Et je vous invite à me rejoindre au prochain épisode. C'était Aikiliu, ciao tout le monde. Je n'aime pas la façon que t'as de me regarder, ok? T'as de la merde dans la tête ou quoi? Tu crois que je me fous de ta gueule ou que je m'en tête? Je t'emmerde, ok? Va chier! Ça va, c'est bon.